les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous le voyez, hein, je suis sérieusement équipée avec l'Oculus puisque nous allons jouer à un jeu en réalité virtuelle, Paranormal Activity The Lost Soul, un jeu développé par VRWorks et qui donc va nous mettre dans la peau et bien d'un illustre inconnu qui va évoluer dans une maison bougrement hantée, tout comme dans les films de Paranormal Activity. Alors vous connaissez mon amour pour ce genre de jeu, donc je n'ai pas toucher au titre avant de faire cette vidéo pour pouvoir voilà, le découvrir avec vous. Donc on va se lancer ensemble dans cette aventure horrifique. Ça va être incroyable, je retrouve mes petites mains. Alors sachez que c'est sorti il y a quelques jours hein, sur PlayStation VR et donc sur PC via l'Oculus. Et hop, et donc on va y jouer avec les touches. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai fait quelques petits réglages. Comme vous pouvez le voir, hop, je suis assise, mais vous pouvez jouer debout si vous avez une pièce assez grande prévue à cet effet. Allez, c'est parti. Je vais commenter un petit peu tout ce que je vois, mais je vais aussi laisser un peu des silences pour qu'on puisse se mettre dans l'ambiance. Parce qu'à mon avis, ça va faire très, très peur. J'en ai entendu du bien, donc on va voir. C'est parti. Donc il faut savoir que la porte vient de s'ouvrir et que je n'ai pas du tout envie d'y aller, mais je le fais pour vous. Je le fais pour vous. Ok. Fait sombre. Et je peux pas prendre une. Parce que j'ai pas de. Il n'y aurait pas une. Une lampe, quelque chose. Il n'y a pas de lampe. Il n'y a pas l'air d'avoir de lampe. Hein. Bon, on y va. C'est sombre. Et obscur. Nickel, j'ai une lampe. Parfait. Donc la lampe. Ok. Je suis plus du tout dans ma maison. D'accord, ok. La maison est là-bas. Ok. C'est une tombe. Ok. Évidemment, quelle idée d'aller mettre sa tête dans une tombe. Je vais essayer de pas tomber quand même. Alors, je crois que je peux courir. Ouais, voilà, on va appuyer pour courir un peu. Ok. Ça par terre. Ah, j'ai entendu vibrer. Il y a encore un corbeau. Bon. Donc une maison à vendre. Hein. Ok. On peut se baisser si on veut. Ok. D'accord, la clé est cachée à l'endroit habituel. L'endroit habituel. Ok. J'ai pas tout lu. Bon, donc ça doit être planqué par là, peut-être dans le pot de fleurs. Peut-être là-bas. Tiroir. Non.
Non, je peux pas le prendre. Ok. Et ça, si je le soulève. Non. Non, il n'y a rien. Non. Ok, il y a des caméras. Ok, peut-être là. Là. Ah, je savais que c'était dans les fleurs. Ah, c'est cool. Ça fonctionne plutôt bien. On va quand même regarder à l'intérieur s'il se passe des choses étranges. Bonjour. Bonjour, c'est YouTube. Ah, il y a marqué Help. Bon, on se casse, on va rentrer. C'est là que ça va commencer à devenir sérieux. Hop. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, le bruit de l'horloge à la résidente. Je suis sûre que la porte va se fermer quand je vais rentrer. Ok. Ok. Il y a une porte qui s'est ouverte. Ça, je peux le garder? Ok. Au cas où. Ça dure pas longtemps les batteries. Hein. On dirait une dingue, hein, je pense que. Ok. Ça je m'en fous. Ça doit être la famille qui vivait là avant. Ils ont quand même l'air un peu bizarres, hein. J'irais que la mère ressemble quand même un peu à un vampire, hein. Non? Ok. On va y aller. Devant. Bah ouais, mais moi aussi j'ai peur. Ok, je le fais pour vous. Je le fais pour vous, mes abonnés. Mais ça vient d'en haut, les bruits là. Attends, on va quand même aller voir là. C'est ça la beauté de la réalité virtuelle, c'est que. On peut passer la tête dans la porte entrebâillée. Ok. Bonjour. Ok. Oh, Ebonia. Oh, mortel. Des pipiles. Je vais me baisser. Je suis pas là. Ok, je crois que je vais pas en prendre qu'une seule à la fois. Parce que. Ouais, je peux en prendre qu'une seule à la fois, apparemment. Bon, ok. Ok. Je peux pas enlever ça. Peut-être un truc pour ouvrir. Je me sens vachement haute. Ok. Tirer une église.
D'accord. Je peux prendre... Non. Je peux pas prendre d'autres trucs apparemment. Bon, ok. Ça, c'est un peu ballot, ça. Ok. Génial, j'ai changé de... Ok. Je peux pas ouvrir la porte? Oh, je peux plus ouvrir. Ok, ok, ok. Ok. Y'a rien. Comment est-ce que je vais faire pour sortir de là? Tu veux pas te mettre là, toi? Non, il veut pas. Si j'ai ça à la main, il veut pas. Non, je peux pas. De toute façon, j'ai pas d'outils. C'est pas possible, je vais pouvoir sortir quand même. Oh! Ah. Je suis sortie du jeu. Je peux pas ouvrir la porte. Non. Ah si, comme ça. Ouvre. Ouvre. Là, il veut pas. Ah, ouvre la porte! Ok, ok. D'accord, ouais, donc vraiment faux. C'est pas évident à gérer, je trouve. Selon ce qu'on a dans les mains. Ok, la porte s'est ouverte là-bas. Ok, il y a une petite fille. Ok. Non, arrête de sortir du jeu, Carole. Je pense qu'inconsciemment, je veux me barrer de cette maison. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, baisse-toi. Et prends ça. Oh. Ça, c'est un peu chiant, ça. Voilà. En gros, on peut prendre plusieurs objets, mais il faut d'abord faire disparaître celui qu'on a dans les mains. Le problème, c'est que c'est cool ça, mais je peux pas l'ouvrir. Il y a un truc dedans. Ok. Ok. Petite fille! Oh, allez. Bon, on va aller là. Il y a un air de pitié là. Oh là là, les tronches. Ça a l'air d'être là, non? Ok, on va bien se tourner. On va trancher. Ah, on peut l'ouvrir, d'accord, ok. D'accord, d'accord. Ok, si j'appuie sur la gâchette arrière, je peux ouvrir les éléments. Ok.
Maëlle, Lisa. Un enfant. Je sais pas ce que c'est un genre de pot. Une photo. Une bougie. Et un point d'interrogation. D'accord, il va falloir que je trouve cet élément-là, à mon avis. Ok. J'adore la sorcellerie. D'accord, je peux. Ok, il n'y a que ça. Ok. Bon, on va ouvrir la porte. Non, je veux ouvrir la porte. Non. Oh, c'est chaud. Voilà. Main libre. Oh, c'est pas possible. En fait, je vais peut-être pas aller là. Je me casse. Ouais, ça doit être là en plus. Génial, j'adore les clowns. Ok. Oh. Quelle horreur. Tais-toi. Ok. L'ombre du clown, ça me fait pas rire. Du tout. Là ou là? Elle est là. On peut pas. Une poupée. Cette musique. Ok. Oh. D'accord, ok. En vérité, j'ai peur, mais c'est tellement kiffant. J'adore ce genre de jeu. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ok. Allez, on y va, Carole. La petite fille, elle est là. Ok, je pense que j'ai commencé à saisir le... comment attraper les objets. Ce qui est déjà pas mal. Je tremble. Ok, on y va. C'est pas forcément évident parce que j'avance avec le joystick droit. Si je fais ça, je peux pas. Non. Oh, non. Blake. Oh. Oh, c'est mal fichu. On va la laisser là 2 secondes. Parce que qui est Blake ?
Wow. Ok, d'accord. Donc il y a des choses qui se passent. D'éléments scénaristiques. Et la balle, ah si. Ah oh assez exceptionnel, c'est que je sais absolument pas d'où vient le bruit. Ah, une pipille. Est-ce que je peux la prendre? Ça m'en fait une en plus. Ok. Ok. Là, j'arrive à... J'arrive un peu mieux à gérer au fur et à mesure. Ok, waouh. C'est pas terrible ça, hein, de devoir switcher comme ça. Trop vieux. Donc papa dit que je suis trop vieux pour... J'y vois rien. Pour avoir des amis imaginaires. Je dis que c'est, je lui ai dit que c'était vrai et que ça n'était pas... Effectivement, je pense que ce n'est pas son ami imaginaire. Ok, fallait que je parte en courant en vrai. D'accord, je vais laisser la balle ici de toute façon. Ok, c'est parti. T'inquiète pas, je dois avoir une... Ouais, en fait, ton inventaire, c'est tes mains, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'elle ne marche plus.
pas le mettre. Ok, bon, va falloir que j'avance comme ça. Sympa la maison. Ah, il me suit du regard. Ah, c'est génial. C'est génial. Ok, on se casse. Wow, wow, wow. Je peux pas courir. Il y a des moments où tu peux pas courir, quoi. De toute façon, elle marche pas, ma lampe. Et ma lampe marche plus. Je peux pas changer la pile. Ah! Wow! C'est sympa. On va se baisser, hein. Tu marches plus. Ah, attends. Oh,
yes. Ok, c'était ça qu'il fallait retrouver. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Toujours pas? Ok. D'accord. Bon. Avec ta musique pourrie là. On va peut-être repasser par là, juste pour voir. Non. Qu'est-ce que j'ai? Hop, j'ai l'air d'avoir un truc sur la main, un pansement. Ok. Non. Non. Ok. C'est la mer que j'ai pas envie de croiser en fait. Ouh. Descendre. Hein. Ok, on va aller vers là. J'aime bien les télés, hein. Ok. C'est pas cette pièce, hein. J'arrive à ouvrir les portes. C'est magnifique. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Bon. J'aimerais bien aller là-bas, moi. Faut aller en haut, hein. On va quand même essayer d'aller là. C'était peut-être pas ouvert, ça. Si, si, c'est ma, la fameuse pièce. Là, hein.
papier déchiré. Que je viens de quitter. C'est moi, hein? Ouais, c'est moi. On va monter. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas du tout mal au cœur. Ça fait flipper, mais j'ai pas du tout mal au cœur. Brutal, Carole, sois pas comme ça. Sois pas comme ça. Ah oui, je suis revenue là, quoi. Ok. Du coup, je vais peut-être pouvoir aller là-bas. Est-ce que la folle, elle y est toujours? Ah, là, c'est ouvert. Thank you.
aucune indication, c'est-à-dire que même quand les portes sont fermées, on vous dit pas c'est fermé, c'est verrouillé. Je sais même pas où je vais utiliser ma clé. Peut-être là. Non, il n'y a pas de serrure. Ok. Ah, là-bas peut-être. Genre d'outil pour ouvrir les portes fermées, verrouillées. Tu viens.
j'ai envie de dire que honnêtement, si vous avez la place, vraiment jouez debout, parce que là sur la chaise c'est pas forcément évident. Après il faut vraiment bien maîtriser, je pense que ça doit être plus facile pour ceux qui ont l'habitude avec le PSVR comme moi. Je trouve pas ça forcément très pratique d'avoir tous ces objets dans la même main, de devoir switcher comme ça. Bon, je peux pas ouvrir en plus. Donc il doit y avoir une petite énigme. Bon, bah écoutez, je crois que pour une première session, ce sera pas mal. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que je fais une expérience VR sur ma chaîne. Ouh, j'en peux plus. En tout cas, laissez des commentaires, hein. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez essayé le jeu vu qu'il est sorti? Peut-être que vous l'avez sur Oculus ou sur le PSVR. Moi, je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est un petit peu compliqué la gestion des objets, surtout quand on n'a pas forcément l'habitude avec les touches. Moi, je viens à peine, on vient à peine de récupérer le casque, donc forcément, c'est vrai que c'est quelque chose que je maîtrise pas forcément. Mais d'avoir tous les objets dans la même main, de devoir switcher, etc., pas forcément pratique. Par contre, l'ambiance, terrible. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas comme d'habitude. Le pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas déjà le cas. Actionnez la petite cloche, d'autres vidéos arrivent très très vite. Et puis merci de m'avoir accompagnée dans cette aventure horrifique. Je vais m'approcher de l'écran pour mettre fin à cette vidéo.